Welcome les copains! Là, je me suis réveillée un peu plus tôt pour vous faire une vidéo parce que je commence à 11h30, non, 11h, 11h. Donc, je vais partir dans à peu près 30 minutes. Aujourd'hui, on est samedi, donc maintenant j'ai cours le samedi et j'ai décidé de vous faire un petit vlog de mon week-end en fait d'étudiante quand je rentre pas à Rouen chez mes parents. Je sais que c'est. Enfin, c'est un peu. Il y a une appréhension pour beaucoup de gens de passer le week-end tout seul. C'est vrai que. Ça m'est arrivé très peu de fois dans le sens où genre je suis restée pas mal à Lille les week-ends, je suis pas du tout rentrée tous les week-ends parce que money et surtout pas assez de temps. Souvent il y avait des. Enfin genre j'avais des proches qui venaient me voir, où il y avait un truc de prévu, où il y avait vraiment un sens à ma présence à Lille. Alors que là il y a rien. Genre il y a rien. Juste bah je suis obligée de rester parce que je peux pas rentrer. Aussi j'ai perdu ma carte de train. Je me suis dit que j'allais vraiment vous faire un week-end, enfin essayer de vous montrer qu'on peut passer un week-end tranquillou, seul, et aussi, enfin vraiment, genre, vous partager mes petits trucs que j'aime bien faire quand je suis avec moi-même, quand je suis toute seule, tranquillou. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous aimez faire. Là, ce matin, je me suis réveillée et j'ai rangé ma chambre, et c'est horrible parce que ça pue le cramax. Je sais pas, en fait, si on va refaire des pancakes aujourd'hui, parce que j'avais trop envie d'en faire et tout. Je vais trop vous montrer ma petite recette de pancakes, mais je déteste mon appart pour un truc, c'est que. Je sais pas pourquoi, c'est l'appart cramé. Enfin, à chaque fois que j'essaie de faire de la cuisine, les plaques, elles pètent un câble, elles se mettent à cramer toutes seules. Genre, je vous jure, mes ustensiles de cuisine sont plus cramés qu'au scout, sont plus cramés qu'une gamelle scout. Donc vraiment, j'ai trop le seum et ça pue le cramer chez moi. Donc là, mes manteaux qui sont derrière, mais ça doit être atroce. Sauf que j'ai pas envie d'ouvrir la fenêtre parce que après, le chauffage y part et c'est pas écolo. Alors là je me suis fait une sorte de couscous revisité, voilà je vais pas appeler ça un couscous parce que je vais pas faire honte genre aux gens qui cuisinent vraiment des couscous, mais déjà j'ai pas de viande donc y a pas de couscous, mais genre j'ai des légumes à couscous, couscous, oui, décongelés et de la semoule, mais c'est vrai que ça manque de goût, hein, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Il est 3h et j'ai fait une petite sieste rapidement et je vais rejoindre ma pote Margot. Bon, on va prendre un café je pense. Et voilà, à part ça j'ai pas grand chose de prévu ce week-end. Je vais faire pas mal de montage. Je vais taffer aussi parce que c'est important. Et ensuite je vais aussi peut-être voir de Rosmita demain. Enfin voilà quoi. Je sais pas trop, j'y vais assez posée donc voilà. Il est 9h. 9h? Il est super tard. En gros, cet après-midi, je suis allée manger avec. Oh merde. Cet après-midi, je suis allée manger avec ma pote Margot dans un café. J'ai pris un gâteau très bon, mais genre vraiment, j'aurais pas dû parce que. Oui, c'est de l'eau. J'ai plus faim. Enfin, si, mais enfin, bref. Voilà. Je me sens lourde. Et j'ai fait un peu de montage. Demain j'ai fait aussi une petite séance de sport, rien de très folichon, juste de petits exercices et je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ensuite, donc là on va partir sur un repas, j'ai envie de manger un truc bon, genre réconfortant, j'ai trop envie de manger des mac and cheese en ce moment, je sais pas si vous voyez ce que c'est, genre c'est un truc avec plein de fromage mais enfin j'ai juste un bout de chèvre donc ça va pas le faire. Je vais regarder mes restes, j'ai genre acheté des pâtes. Comme ça, souvent le soir je mange juste des légumes, mais là j'ai envie de manger des pâtes. Donc je vais me faire des pâtes avec des légumes et genre du fromage et des lentilles, enfin bref, hyper original la pâtisserie. Aussi je pense que je vais vous faire une petite FAQ, je me dis que ça pourrait être sympathique, donc je vous ai dit de poser mes questions sur Insta. Parce que c'est vrai que là souvent je pose pas mal, mais genre je réponds jamais à vos questions, peut-être que vous avez voilà, des choses existentielles, donc vous avez besoin d'obtenir des réponses, mais ça veut rien dire ce que je raconte. J'ai hyper mal à l'épaule. Ok, j'ai déjà des questions, c'est combien? Je sens qu'il y a des petits curieux. Le concours Access est-il dur? J'ai déjà fait une vidéo sur le concours Access. Je vous invite à aller la voir. Le parcours que tu fais à ton école, est-ce que c'est un BBA? Non, c'est pas un BBA, c'est un master. Genre c'est direct en master. Ta vidéo préférée sur ta chaîne? Putain, j'adore cette question, vraiment. Alors attendez. Déjà récemment j'aime trop celle que j'ai faite sur Sciences Po parce que vraiment genre elle fait beaucoup plus préparer et tout, mais je sais pas pourquoi j'ai eu une illumination, souvent c'est le soir dans mon lit, genre je pense à des idées et genre vraiment genre je savais pas du tout si ça allait vous plaire et finalement ça vous a grave plu et c'est vraiment une vidéo que je kiffe
enfin que j'adore. Sinon, je pense que c'est peut-être certains de mes weekly vlogs, parce qu'en fait les weekly vlogs je peux les re-regarder. Et non, je dirais mes vlogs à Lisbonne. Mon vlog préféré c'est vraiment celui où c'est mes potes qui filment, donc je vous mettrai dans le petit. Je l'adore vraiment, c'est ma vidéo, une des vidéos préférées de ma chaîne. Je dis pas que c'est la meilleure, mais juste bah genre ça reflète trop mon mood de l'époque. Aussi j'ai fait un vlog, un de mes vlogs récents que j'ai beaucoup aimé, enfin celui sur Brighton. Bah je me suis grave appliquée sur montage, donc voilà. Ensuite, es-tu en couple? Alors, j'ai pas trop envie d'exposer ma vie privée. Enfin, en fait, je l'ai déjà fait, donc voilà. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez déjà la réponse. Mais simplement, genre, j'ai pas trop envie. Enfin, j'ai un peu peur d'afficher trop ma vie. Je sais que. Enfin genre personne n'est trop intrusif dans ma communauté, enfin personne n'est gênant ou quoi. Mais simplement j'ai pas super envie de trop me confier, parce que je considère qu'après je donne les armes pour me faire battre. Enfin je sais pas si vous comprenez. Bref, je préfère être du scotch sur ça, mais genre vous pouvez avoir les réponses en cherchant bien quoi. Si tu avais un unique conseil à donner à tous les futurs étudiants, ce serait quoi? Je comptais répondre à ma FAQ en mangeant, mais en fait bah genre voilà. Bah croire en vous, en fait ça marche pour tout. Enfin genre ne désespérez pas. Et je pense que c'est hyper important, c'est-à-dire que tout sera pas rose, tout sera pas... Enfin voilà, c'est comme dans la vie, mais genre... Ah mais ça pue cramer, mais je vous jure, il y a un problème avec cette plaque. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aurai 23 ans. Dans 5 ans, je finirai mes études, normalement. Peut-être que j'aurai toujours cette chaîne YouTube. En vrai, je kifferais bien. Enfin genre, 5 ans, ça passe super vite, en fait. Et genre je me lasse pas de YouTube, alors peut-être que je changerai mon format et tout, mais pour l'instant ça va. Donc dans 5 ans je me verrai bien, genre je sais pas si je serai toujours à Lille, mais je me verrai bien sur Paris, c'est vrai. Sur Paris, bah installée, enfin genre j'aimerais bien avoir ma propre marque ou travailler dans un truc qui me plaît. Je sais pas trop, et j'aimerais beaucoup peut-être faire une année de césure pendant ma scolarité pour genre refaire le tour du monde ou un truc comme ça. Enfin ce serait vraiment un truc qui me plairait de ouf, mais ouais c'est compliqué de se projeter aussi loin. Là j'ai genre ma petite assiette avec des poivrons et genre je pense que je vais mettre direct les pâtes dedans. Ensuite on va mettre un peu de pesto, je vais en acheter aujourd'hui. Comme je mange seule, genre je prends la cuillère, mais je ferai jamais ça chez moi, mais bon. Formidable. Ensuite on va mettre les pâtes, j'ai pas de passoire, donc je vais faire la technique de la dèche, genre je prends les pâtes et je les mets dedans. Je sais pas si je rajoute de la sauce soja salée ou sucrée, genre je sais pas et j'ai peur de me tromper et de regretter mon choix. On va regarder la suite des questions, après je vais pas répondre à trop de questions parce que c'est un peu relou, je préfère y répondre de temps en temps et tout. Au fait n'hésitez pas à me donner des noms de youtubeurs. Parce que franchement en ce moment genre mon fil YouTube est grave vite. Est-ce que c'est dur la vie indépendante? Déjà je suis pas du tout indépendante financièrement. Enfin, genre mes parents me donnent de l'argent, enfin genre je gagne peu avec YouTube. Donc puis même avec mes restes des trucs, enfin je pourrais jamais vivre avec YouTube. Hein. Donc en soi bah genre là ça je peux rien dire. Par contre indépendante dans le sens être toute seule, ça va franchement. En fait ça s'est fait petit à petit, comme l'année dernière je vivais à moitié dans mon studio et tout. Enfin j'ai toujours fait moi-même mes propres achats, genre tout ce qui est shampoing et tout, enfin c'était souvent moi qui y allais. Franchement ça va, enfin je trouve pas ça compliqué. Quand je vais repartir en Erasmus, je pense pas l'année prochaine, parce que mon classement il est pas ouf à mon avis. Et en plus, enfin là je pense pas que ce soit le bon moment pour moi, mais dans 2 ans oui, de toute façon je suis obligée. Et j'ai trop hâte, vraiment hâte de découvrir cette expérience que l'Erasmus. Prochaine question, des séries et des films à nous conseiller, enfin des nouveaux non. J'ai regardé il y a pas longtemps un truc sur du patinage. Moi ce que j'adore c'est Championnat à tout prix. J'aimerais trop les regarder. Fais pas si fais pas ça, meilleure série au monde. Mais sinon dernièrement j'ai pas eu de gros coups de cœur. Franchement j'ai pas beaucoup de coups de cœur série et film ou quoi. J'ai essayé de regarder You, j'accroche pas trop. Messia finalement j'ai un peu abandonné. J'ai essayé de regarder plein de trucs et j'y arrive pas. Es-tu heureuse dans ta vie d'étudiante à Lille? Bah plus qu'à Paris avec les grèves. Non ça va, franchement ça va un peu mieux.
Pour l'instant, c'est le début du semestre, donc c'est relativement calme. Il y a plein de choses qui sont pas non plus au top du top, mais enfin voilà quoi, c'est la vie, je m'en plains pas. Donc, quel est le cours que tu préfères à l'ISEC? J'ai bien aimé Business Expo, comme je vous en ai parlé. Je sais pas, franchement, j'aime bien tout. Et aussi, on m'a demandé, genre, avec du recul, ce que je pensais de mon école. Je sais pas si on me parlait de mon lycée, mais enfin... De toute façon, j'ai pas assez de recul. Enfin, genre, aujourd'hui, je suis en première année, donc je connais très peu de choses sur l'école. Mais j'ai rien. Enfin, en fait, j'ai même pas de trucs négatifs à dire sur mon école. Genre, c'est pas du tout que je suis matrixée ou quoi. Parce que vraiment, je comptais pas parler de mon école parce que je me disais que bah, genre, je pourrais jamais avoir un avis objectif. Mais les choses que je pourrais reprocher à l'école, c'est genre que c'est strict et tout, mais en même temps c'est pas un truc que tu peux reprocher, enfin genre vraiment j'ai pas de truc, et enfin c'est hyper éloigné des clichés sur les écoles de commerce, donc bah voilà, enfin moi je pense que c'était l'école qu'il me fallait. Salut ma belle, quand est-ce qu'on peut te faire visiter la Belgique, sinon je regarde toutes tes vidéos. Déjà merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages privés. En vrai, ça me ferait trop plaisir qu'on se rencontre et tout. De grave qu'on fasse une conve en février, je sais pas, parce que ça dépend de quand est-ce que je vais au rattrapage, enfin quand est-ce que sont mes rattrapages, et je sais pas si j'ai beaucoup d'abonnés en Belgique, mais dites-moi si vous venez de Belgique ou si vous venez de... Enfin, vraiment moi c'est un truc qui me tenterait de ouf, et je sais qu'il y aura pas 500 000 personnes, enfin genre, je veux dire si on est genre 3 c'est déjà trop cool, mais pourquoi pas prendre un café et tout, enfin franchement ça me tenterait carrément. Ok les copains, donc là je vais aller dormir, enfin non je vais pas dormir, je vais lire un livre, voilà. Welcome les copains, on est dimanche, il est 9h donc je me suis réveillée vers 8h15. J'ai mangé et en fait là je vais me faire une to-do list. J'ai pas mal de boulot, faut vraiment que j'essaie de prendre de l'avance parce que quand je suis toute seule comme ça, ça me permet d'être efficace. Je vais peut-être voir Rosemida aussi aujourd'hui, faut que je fasse du montage. Enfin voilà, je vais essayer de bien démarrer l'année, donc je vous emmène avec moi. Là c'est l'heure du repas et je me suis fait un plat, bon je sais pas s'il a l'air bon ou pas, enfin moi j'ai hâte de le manger. J'ai mis gnocchi, mon reste de pâte d'hier, un peu de chèvre comme j'adore, des épinards et des lentilles et voilà je mets du pesto. Franchement genre je sais que c'est simple mais c'est trop bon et puis ça me cale bien parce que je taffe là donc bon je viens de goûter et je peux vous dire que c'est vraiment super bon, genre je suis trop contente, c'est très très bon. Bon alors là je suis explosée, j'ai ressemblé à rien du tout, j'ai fini mes montages, j'ai taffé, je vais essayer de faire du sport, j'ai faim mais je mange dans 2 heures avec Rosemita. Ah c'est ça la réalité, ma vraie vie. Bon alors là je me suis vite fait habillée, maquillée un peu et tout histoire de... Alors c'est pas juste pour me maquiller pour sortir mais j'aime bien au moins faire des petits efforts Enfin quand je sors et tout parce que je sais pas ça me donne l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée. Donc là je vais aller chercher du pain et vraiment je suis assez contente, enfin j'ai été assez productive, bon, j'ai fait pas mal de choses. Ça a pas mal m'avancé donc je suis assez contente. Donc enfin moi ça me dérangera pas de passer ma journée toute seule, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous aussi c'est ça, mais c'est vrai que des fois la solitude en étant étudiante c'est un peu compliqué, mais quand j'ai beaucoup de choses à faire, quand je suis occupée ça me dérange pas, enfin je me trouve plus efficace en étant seule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la BU qui essaient de faire des choses comme ça, mais moi j'aime bien rester dans mon espace. Enfin, je pense que ça joue beaucoup le fait que j'aime bien mon appart, parce que c'est vrai que quand t'aimes pas ton espace de travail je pense que t'as du mal à travailler. Donc si vous avez envie que je vous en parle plus, peut-être de genre comment aménager son appart pour être bien ou comment vivre tout seul, bah n'hésitez pas à m'en parler. Enfin vraiment moi je suis ouverte à plein de propositions 2020, là j'ai plein d'idées un peu nouvelles que vous avez jamais vues sur ma chaîne, donc voilà. Je vais préparer les pizzas. Bon, on
dirait un esquimau, regardez. Dans l'Antarctique, t'es droit des phoques. Alors là il est 22h, je commence à saturer, c'est à dire que ma tête sature, mon cœur il bat super vite. À chaque fois je me dis j'ai peut-être un problème, mais en fait à chaque fois je me dis bah non, tu fais plus de sport chérie, c'est normal que tu sois essoufflée. Bref, c'est trop bien, je vais manger avec Rose et on a mangé à Papa Raffaele, j'adore cet endroit, c'est trop bon, je vous conseille vraiment si vous venez à Lille. Et donc là je vais aller me coucher, j'ai fait ma miniature, faut que j'aille me doucher aussi. Je vais lire aussi un petit livre, demain je commence assez tard, donc c'est trop bien. Je sais pas, c'est un week-end cool, ça me fait plaisir parce que d'habitude j'aime pas genre rester seule, enfin genre le week-end j'ai peur de m'emmerder et tout, et genre franchement je me suis rendu compte que non, enfin c'est cool, la vie est cool, c'est ridicule. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta ou à me dire si vous aimez ce genre de vlog un peu, je sais pas, un peu comme ça, voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir mon Insta et je vous fais de gros bisous et bye la mif.